Bonjour, bienvenue en Pays Catalan, ici Jean-Michel Martinez du journal catalan pour TV4. Je me suis rendu ici à côté de Caliceo, je crois que ça s'appelle la zone économique Sud-Roussillon. On est à Saleille et je suis avec un charmant couple qui est un couple de danseurs et pas n'importe lesquels puisque c'est des profs, ouais, c'est bien ça. Je suis avec Thierry et Sophie. Vous êtes en plein cours là, c'est quoi que vous faites là, un cours de salsa débutant. D'accord, donc ça se danse avec un garçon, une fille, c'est pas du tout les mêmes pas pour les garçons, pour les filles? C'est un pas adapté pour le garçon et un pas adapté pour la fille puisqu'on danse en miroir. D'accord. Voilà, donc on démarre pas du même pied, mais bon. On est face à face. Alors, voilà. on va regarder 2 secondes et puis on se retrouve, on explique un petit peu quelle est cette école de danse. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, elle tourne et moi je tourne avec ma main droite. 6, 7. Moi, je m'appelle Thierry, j'ai créé l'association à la base en 1995 et j'ai créé l'école il y a 9 ans. C'est parti, passe, passe. Allez, go. Moi, je m'appelle Sophie. Ça fait tous les deux une trentaine d'années qu'on est passionnés de danse et qu'on danse, chacun dans nos domaines. Et puis, voilà, donc on propose au sein de l'école eh bien, des cours solo, des cours aussi en couple, tant pour les enfants que pour les adultes. Donc, ça va des danses latines, au breakdance, hip-hop, aux danses caribéennes, bien sûr. Donc, la bachata, la salsa, la kiz, toutes ces danses un peu actuelles. Bien sûr, le rock, incontournable. Voilà, après on propose aussi de mettre à disposition la salle pour promouvoir bien sûr la danse, parce que c'est notre passion et c'est notre but dans la vie. Voilà, après on a également un pôle compétition, parce qu'on a des petits compétiteurs qui courent un peu le sud de la France pour concourir. Et on fait aussi pas mal de choses pour faire découvrir la danse, tout ce qui nous est proposé autour de cette découverte, tel faire de la scène un petit peu, faire des galas, des démos, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait des rencontres amicales entre les clubs aussi. Voilà. Voilà, on essaie de préparer physiquement aussi nos compétiteurs et nos petits élèves. Voilà, on propose aussi des cours particuliers, toute danse. Alors nous vous proposons également de nous retrouver pour chaque session de nouveaux arrivants. Donc c'est une session à mi-parcours en janvier-février et une session bien sûr en septembre. Il y a 2 rentrées des classes chez Angel Dancers. Activités qu'on propose également, on organise régulièrement des petits congrès, des croisières, on propose aussi des ouvertures de bal pour les jeunes mariés. Voilà, et tu as quelque chose à rajouter? Pour les aider à ouvrir le bal de façon originale ou traditionnelle.